Le week-end arrive à grands pas et vous vous demandez toujours quoi faire? Eh bien, j'ai trouvé des activités pour vous. Aujourd'hui, mon équipe, nous sommes au 1443 rue Saint-Denis-Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas, le frigo, c'est le meilleur endroit à Montréal pour y déguster un yogourt glacé à libre service. Dans le cadre de la Fierté Gay de Montréal, il y aura plusieurs activités. Entre autres, vendredi le 12 août 2011, sur la scène TD du parc Émilie Gamelin, il y aura le spectacle de Martine Sinclair. Ce sera le soir et elle fêtera les 40 ans de carrière de Luc Plamondon. Elle aura comme complice Marc Hervieux qui lui chantera quelques chansons pour vous. Dimanche le 14 août, il y aura un événement majeur à surtout ne pas manquer durant ce festival. Ce sera bien sûr l'unique parade gay de Montréal qui aura lieu à compter de 13h à l'angle des rues Guy et René Lévesque en direction Est jusqu'à la rue Sanguinet. Un événement majeur à découvrir. Gardez. Petit garçon, vagabond. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, en ce moment, à Montréal, les plus grandes du tennis au niveau mondial sont ici pour nous. C'est la Coupe Roger. Pourquoi ne pas assister ce week-end au final de la Coupe Roger? Une autre activité à ne pas manquer, ce sera le Festiblues ce week-end au Parc Hunsic avec comme tête d'affiche Bobby Bazini, Isabelle Boulay, Rogue Voisine et les Trois Accords. Pour ce qui est du reste du week-end, à ne pas manquer, la Nuit des Persiennes ainsi que les Étoiles Filantes. Je vous souhaite bon week-end.